Qu'est-ce qui se passe là? Ah là là. Mais à chaque World Tour, il y a un raid. Au secours! Quoi? Défendez la zone commerciale! Quoi? Quelqu'un a lancé un raid? C'est le running guy! C'est sérieux! Moi, je vais juste observer depuis le haut là, qu'est-ce qui se passe? Pour donner du courage. Et il est au même endroit que la dernière fois en plus, le raid! Bah oui, c'est là où il y a. Attends, je veux les têtes moi. C'est à cause du PNJ de monsieur Jimmy. Hein? Moi, un PNJ? Ah, c'est la faute à Jimmy, c'est ça? Ouais, j'ai pas wow, wow. Eh, hey, qui tire des flèches pour la pose sur la pose du... Pauvre tutu là. Je suis sûr que le fisc. C'est monsieur Hypierre, je l'ai vu. Oh, j'ai récupéré des bouts de stuff. C'est pas à moi ça. C'est pas à moi ça. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas à moi ça. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas. Quoi? Allô? Hein? Allô? Qu'est-ce qu'il dit? Moi je vous regarde là, c'est magnifique. C'est la guerre civile. Mais non, c'est pas la guerre civile. C'est la guerre d'invasion. Ah oui, il est sur ma montagne en train de tirer des flèches, l'autre. L'autre quoi? Il faut payer une location, monsieur, pour utiliser la montagne pour ça. Encore une vague. Salut Jimmy. T'as des fantômes sur toi. Ah bah ça aussi, ça va arriver pendant toute la soirée. Le beans que c'est. C'est le beans. Comme vous pouvez voir, ce World Tour est parfaitement organisé. Ah bah ouais. Oui. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de HollyCube, c'est l'épisode 32 et aujourd'hui c'est l'heure du deuxième World Tour d'HollyCube afin de voir ce que les gens ont fait justement sur le serveur, voir comment les bases ont avancé, les projets ont avancé. C'est toujours un moment selon moi assez intéressant parce que ça permet de voir en une seule vidéo à peu près tout. C'est une vidéo qui va certainement être longue comme d'habitude, c'est toutefois une version résumée ici que vous avez déjà. Donc oui, résumé, mais il fera certainement plus d'une heure. Hein, on essaie de garder évidemment une visite de chaque base. Vous aurez aussi des plans cinématiques par-dessus chaque base pour voir à quoi elle ressemble avec des shaders, c'est des jolis mouvements dans le ciel et tout ça. Comme ça, ça vous permettra de les voir. Alors, toutefois, un truc avant, vite fait rapidement. Tout le monde n'est pas forcément là lors de ce World Tour. C'est compliqué d'avoir tout le monde exactement là le même jour. Donc pour ceux qui ne sont pas là, on ne visite pas leur base. Donc tenez-en compte, ce n'est pas un World Tour complet. Notamment, il manque la base de Watan ou de Steelers, par exemple. Et du coup, commençons tout de suite. Allons rejoindre les autres et commençons ce World Tour qui va être très long. Ok, du coup, zone commerciale, voilà, il y a plein de boutiques. Du coup, je vous propose de plutôt aller vite fait voir parce que le spawn qui est dans le Nether est pratiquement fini. Tout le monde a fait une maison hein, dans le spawn de Nether, sauf Steelers. S'il est pas là, on peut pas le shame. Ah, c'est bon. Dommage. Où c'est où? Ah, ça, non, Shuka n'a pas fait de maison dans le Nether non plus. Ah, shame. Honteux, Shuka. Shame. Donc ouais, tout le monde a à peu près une maison. Et nous avons un joli spawn pour le thème du Nether. Moi j'ai une maison bulle. Et c'est assez exceptionnel, hein, parce que les saisons d'HollyCube, en général, le spawn, c'est le truc qui est jamais fini. Je tiens à le préciser. Donc, il faut vraiment le noter que c'est vraiment exceptionnel que le spawn soit aussi avancé. Et en plus, Satan est content de ce spawn. Pousse tous les mois. Ah oui, vous avez dû voir la fleur du spawn pousse, oui, de plus en plus. Et, alors attends, du coup, on perce le toit du Nether et tu la montes jusqu'à la couche de 250. C'est le but. Alps, on a besoin de toi. Et dès qu'elle atteint la couche 256, la 1.17 sort et on passe sur la saison 6. Voilà. Ok, on peut commencer. Moi, j'aurais proposé de commencer par les gens qui n'étaient pas là lors du premier World Tour, qui n'ont jamais pu montrer leur base, malheureusement, jusqu'à maintenant. Nous avons, si je regarde, Monsieur Zeptuna et Kiops, qui ont leur base qui n'a jamais été montrée. Bon, on l'a vu lors de la course de chevaux, pour ceux qui ont participé. Donc, je vous propose de les suivre. Vive la team au sud. Oui, c'est les sudistes, au sud. On va d'abord vers le sud. Le sud. Oui. Il manque quand même une statue en l'honneur du vainqueur de la course de cheval. Hein. Du tricheur de la course de cheval, ouais. Du vainqueur. Monsieur, vous êtes toujours sous enquête de doping, hein. Sa réputation le précède. Hein. on vous écoute, Zeptuna ou Kiops, hein. On vous suit, on vous écoute. Les deux en même temps, s'il vous plaît. Ouais. Bon, synchro, hein. Alors là, en fait, on est, comme vous pouvez le voir, à l'entrée de la zone cyberpunk. On arrive par l'autoroute, en fait, oh, qui traverse de part et d'autre le centre-ville.
C'est beau, hein. C'est magnifique. Donc ça, c'est un futur projet que j'aimerais faire. On en avait parlé avec Zanzag, hein, de se relier nos bases par... Ouais, de relier la ville moderne à la contemporaine. Ville avec une grosse autoroute qui traverse le en mode le route désert. Voilà. Voilà, avec un péage évidemment, hein, pour vivre avec la France. Un péage, un diner, tout ce que vous voulez. Une heure de chez moi, tu payes. Tu payes, tu casques. Il n'y a pas moyen de mettre de nuit juste si tu veux qui vous permettent d'aller en nuit, hein. Mais la nuit arrive, ah oui, la nuit arrive, le soleil est en train de se coucher, hein, donc il suffit très d'attendre cool, deux minutes fantômes. Et c'est bon, hein. Et ah oui, on va avoir tous les fantômes, ça va être génial. Ah, j'ai hâte. L'hologramme est incroyable aussi. Ah, il y a plus les 300 000 échafaudages sur la tour principale, je suis un peu déçu. L'hologramme. Ah, bravo Tutu. En fait... Ah, moi, on me dit de mettre des monsieur tout nus. Je mets des monsieur tout nus. Des monsieur bleu tout nus. Des souvent, grands monsieur. Des monsieur bleu tout nus, oui. Je note qu'il n'a pas de barbe, hein, donc bon. Hein. C'est hein Avatar. Ouais, mais ça pousse, hein. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on dit, hein. Ça pousse. Les imberbes, ça pousse pas. Hein. Oh, et pour, ceux, et coup, pour ceux qui aiment la bière, il y a le Sibir, hein, qui est ici, hein, bien évidemment. Voilà. Ah, oh, où ça, où ça, où ça. Oh, les alcoolos directs. Yay. Vite. Allez. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais, c'est un peu la fête là-dedans. Wow. What the fuck? Ouais. Il se passe des choses. Qu'est-ce qu'il fait le Kazim? Par quoi il manque un plafond? Oui, bah oui, pour l'instant. Faut pas regarder. Aïe. C'est pour laisser s'échapper les odeurs d'hommes. Ah. En gros, si vous voulez, enfin, dans la zone riche là, près du QG de la N-Corp, il y a la tour à mob en fait qui est à l'intérieur du bâtiment juste là en fait. Celui-ci de l'intérieur, il y a la tour à mob. Le QG, c'est la plus grande tour pour ceux qui se demandent. Ouais, c'est ça. C'est celle qui monte à 256 blocs de haut. On se la pète, hein. La couche maximum, en fait. Eh, hey, roi, toi, ton château, hein, il monte pas jusqu'à 256 blocs, hein. Je dis ça, je dis rien. 252, je crois. Ouais, mais toi, t'es sur une colline, tu triches. J'ajoute une antenne. Oui, mais... Ouais, bah, c'est pas la taille qui compte, hein. Ouais, mais eux, ils commencent de la couche 63 aussi. C'est ce qu'on dit. C'est vrai. Aïe. Il me semble que, techniquement, c'est Zanzac qui a la plus grande tour du serveur. Pourquoi? Parce que lui, il commence vraiment au sol. Eux, ils sont aussi sur une colline, en fait. Ouais, bah c'est pas la taille qui compte, hein. Y a-t-il autre chose qu'on n'en aurait pas encore vu? Vous êtes tombé, Jimmy. Quel est ce bâtiment là-bas? Le stade, par exemple. Ah, il y a le gros stade, oui. Juste à côté, là. Ah, le stade. Oh, c'est beau. Oh, ah, le stade où il y aura un futur événement, j'annonce de prévu dedans. Ce sera à venir plus tard. Ah bah oui, c'est un octogone. C'est la castagne là-dedans. Roi, il est allongé là, je sais pas ce qu'il fait, mais... La baston. Qui veut se battre, ouais. Jimmy versus Roi. Attends, mais il est... Ah oui, il est sur le dos. Roi, il est bourré ou quoi? Quoi? Non, où est-ce qu'il est? Il est sur le dos, il en évitera sur le dos. Ah, laissez-le découvrir. Bah attends, tu casses ton truc, moi je... Non. C'est bon, l'assurance vie. Oh. J'arrive pas à... En tout cas, c'est un joli stade, moi je trouve. Aïe. Je vais crever. Hop. Tu vas les claquer, tes totems. Oui, c'est plus un hexagone. Hexagone, octogone, c'est pareil. C'est des gones, c'est tout ce qui compte. Après, principalement, ouais, après ça, est-ce que des bâtiments de décoration juste pour. Yes, pour, bah, pour donner l'aspect ville. Ouais, c'est tout vide. Voilà. Ouais. Yes. Oh, c'est tout vide. Un métro aérien, quand même. Tu ouais, là, engager la Denco, si tu veux, j'ai une bonne réduction, si tu veux. What? Il y a quelques bonnes réductions à donner, si tu veux. T'imagines bon, le devis. Là, on a Edenco pour toute une ville, donc ça va être un peu cher. Ah, bah, ça va te coûter cher. Ouais, moins 90. Wow, ça va, ça va. Bah, si on a tout vu, on peut passer à la prochaine, ouais. Prochaine base. Allez, go. Ouais. Let's go. Suivez Red Tox. On y va à pied, ce sera mieux. Allez-y à pied. Suivons à pied Red Tox. Il y a toujours un creeper. Ouais, bah, encore heureux que je dis à pied. Hein. Salut, je ML. Vois des mouches volées partout. Ouais. Oh, en même temps, si c'était mieux éclairé. Ah, il y a un trou. Ah, bah, il fait c'est honteux. Ouais, je me demande bien pourquoi il y a un trou. On y arrive, voilà. Non, qui c'est qui a fait le terraforming ici? Ah oui, je me demande aussi. Hein. Je trouve que la personne a vraiment géré pour le coup. Après, voilà. Bah, par contre, la personne qui reproduit le terraforming met un peu de temps. Hein. Il y a quelques défauts. Ah bah écoute. Il a passé un peu trop de temps en Pologne, hein, je pense.
Elles sont très bien décorées, les tours, hein, à l'intérieur, si jamais... C'est magnifique. Waouh. C'est effectivement, ouais. Ouais. Si jamais ça vous intéresse, voilà... J'aime beaucoup le style minimaliste. Ah, ouais. Ah, ah, aéré, hein. Ah, ah ouais. Il y a de la place, hein. C'est bien, il y a de la place, hein. C'est cool. Ouais, ouais, bah, respire, hein. Faut voir être frais ça, là-dedans. Hein. C'est fait pour les gens qui sont très grands pour le coup. Ah, il y a de quoi faire. Se balader, quoi. Ah, ouais, ah, c'est très grand, mais il y a une. On dirait chez Jimmy. Les Hollandais te remercient, je pense. J'aime bien, moi. C'est inspiré de quelque chose ou c'est genre c'est plein, ouais, c'est une maquette qu'on avait trouvée avec un ami avec qui je construis tout ça. Et en fait, on a essayé de s'inspirer de cette maquette-là pour faire ces bâtiments. J'ai pu voir la maquette. C'est ça. Ça rentre. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai pu voir la maquette et c'est une bonne reproduction de la maquette. Mais après, ils l'ont adapté à Minecraft, évidemment. Oui, bien c'est sûr. Ça. On pouvait pas faire tous les détails. Par contre, le terraforming est 100% original. Oui, sorti de nulle part. Voilà. En toute créativité, quoi. Passez chez Samaterra pour tous vos terraforming. Finis déjà ce que t'as à faire et après. C'est vrai, ça. Bon, ben, je vais me cacher dans un trou, moi. Ça m'arrive pas plus. T'invites pas un combat de boxe ou pas à la fin? Ouais, Magic, t'en as déjà eu un, toi. Chacun son tour. Ouais, mais bon, pas eu tout entier. Oh, t'as eu un énorme volcan. Bah, c'est tout petit, il est tout petit. Oh, bah, on va le voir, et il est loin d'être petit. Hein. Ouais. Très joli. Ah là là. Bon bah voilà, moi c'est tout ce que j'ai pu faire. Du coup, yes, vu que t'étais en Pologne. Franchement, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal, hein, franchement, faut pas déconner. Moi j'aimerais revoir la machine à canne à sucre juste pour le plaisir. Ah bah oui. On va avoir des mauvaises heures. Elle est pas buggée parce qu'il arrive qu'elle bug des fois. Oh non! Aïe aïe aïe! Elle est cassée! Aïe aïe aïe! Elle est cassée! Ben voilà, ça lag! La machine est en mode je me casse! C'est cassé! En effet, ça lag! Super machine! C'est un système de transport, c'est pas mal! Elle est belle! J'aime bien! Pas très bien! En fait, c'est une machine éco-responsable qui effleure le bambou! C'est voilà. Vraiment pour ça, pas en fait, lui ça... faire mal. Elle lui fait, ça, elle le caresse ça. Pour qu'il pousse plus vite. Ça... Voilà. C'est ça. Elle le brosse de près pour qu'il reste à la même taille. Ah excellent, c'est excellent. Elle le brosse pour qu'il ne s'abîme pas. Voilà, dans le sens des pastèques à la fin, par contre. C'est pour éviter que les cannes à sucre elles volent partout. Mais j'ai déjà tout fini là. Faut que je le fasse encore. Voilà. On va chez qui? Bah ici, chez Zanzag. Vous pouvez observer. Alors. Ah, parce que nous sommes en train de faire des travaux, figurez-vous. C'est travaux une 4. D'agrandissement. C'est ça, c'est ça. L'expansion économique. Si vous voulez prendre un peu de hauteur, il y a des routes qui viennent une guitare. Wow. Il y a une guitare. Il y a une guitare. Il va y avoir effectivement un nouveau bâtiment. Il y a une basse à 6 cordes. Ouais. Non, c'est pas une basse, ouais. C'est une basse à 6 cordes. Un musée de quoi? En fait, l'idée, c'est de faire un musée qui va rassembler un petit peu plein de choses que vous voudriez mettre dedans. Par exemple, j'ai récupéré le briquet qui avait servi à ouvrir le portail d'Olicube. Ah. Et Pierre, toi, si tu veux mettre une petite machine en redstone dedans, si vous avez plein des trucs qui vous représentent, qui représentent Olicube en général, l'idée, c'est qu'une fois que ce sera fini, chacun pourra venir mettre un truc dedans. Voilà. Joue-nous un air, roi, avec la guitare de Zanzag. Voilà. Droit d'auteur, hein. C'est marrant parce que quand t'as commencé à jouer, j'ai pleuré trois fois. Quand t'as commencé à jouer, j'ai eu mon alerte de sub et mon alerte de sub, c'est Roi qui fait on peut pas chier tranquille dans les bois ici. Ça allait bien avec la musique. Ah ouais, c'était parfait. Tunnel, là. Le tunnel, il ramène effectivement, il y a un grand tunnel. L'idée, c'est de faire un réseau. Et après de foutre des bâtiments partout le temps, donc là c'est encore en cours de construction. Là, mais, le voilà, bâtiment au Québec est très chouette. Hein. Ouais. Monsieur Hitler, vous savez où est passé votre prismarine. Ouais, n'hésitez pas, j'ai besoin de plus de commandes. Ouais, je suis à un carrefour de ma vie. Désolé. Ah, il y a des bancs du coup. Excellent. Excellent. Je vais me mettre sur le banc et réfléchir à mes choix de vie. Dans la tour, il y a une entrée qui descend vers les futurs égouts, en fait. Je vous donne rendez-vous dans la tour au Québec. Ah, allons dans les égouts, nice. Allons, allez, c'est parti. Hop. J'attends que vous arriviez. Allons sur la page tendance de YouTube. Nice. C'est ça. Il y a le repère du poulet, donc vous pouvez descendre. Waouh. C'est la base des égouts. Il va y avoir des grands égouts. Oh là, il y a toujours l'usine à poulet.
Survécu. Le chat qui pendouillait sur la laisse et puis il est mort, alors je suis triste. Mais il a quelques semaines sur la laisse, il était bien. Ouais. Il y a un autre spoil au bout de la, zone de tutu, donc faut pas aller plus loin. Mais... Ah oh là là. Et du coup, le but c'est de faire des écouilles de la vieille machinerie qu'on sait pas à quoi elle sert dedans. C'est ça, il y en a de la redstone ici. C'est serré ici. C'est serré, hein. C'est les égouts, hein. Ah, c'est les égouts. No spoil. Ah oui, no spoil, on peut pas. Ça sera inondé. J'adore Tutu quand même qui nous a acheté la map no spoil, mais pas en entière, du coup. Oui, elle a acheté que la moitié. Moi, j'achète que la partie que j'ai envie. Hein. Elle a le droit, hein. C'est pas bête. Ouais, bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Moi, je vais acheter l'autre partie, du coup. Juste avec la caméra. Ah, mais je l'ai pas, il y a des fentes. Ok, ok. Très sympa. Ouais, ouais, les fonds de manquage. C'est stylé. Ah oui. Nice. Il s'appelle comment et pourquoi. Et mais pourquoi et comment t'as fait ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que la réponse vous convient, monsieur Sama? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, on a fait le tour, les routes, ça a pris pas mal de temps à faire. Et puis d'ailleurs, monsieur Sama, si vous voulez faire une tour pour votre journal télévisé, n'hésitez pas, hein. Profite pour passer la tour Holy News. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, tour Holy News, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Billet dans la poche, billet dans la poche. Billet dans la pioche. Ouais. Billet dans la pioche, oui, c'est possible aussi. Hop. Bon, je vous propose de vous rediriger vers le portail du Nether et de poursuivre. Et de partir de chez vous. Et de vous casser de chez vous. Oh. Mise en garde, si vous tirez des flèches, faites très attention, parce qu'ici vous pouvez faire des dégâts. Non mais je préviens juste, parce que genre je sens la nuit arriver, puis qu'il y a des gens qui commencent à tirer ou autre chose. Faites attention. Faites gaffe aux villageois. Voyons voir de l'extérieur, parce que... Alors du coup c'est la pyramide, premier étage fait, il manque le deuxième et troisième étage, et ce qu'il y a autour. Mais le premier étage est fini. Incroyable. C'est nice, c'est un peu cyberpunk, non ? Ouais, dans l'idée un peu industrielle, etc. Une critique de la société moderne. Beaucoup de temps. Incroyable. Et tu là, il y a le liqueur en haut. Oui. C'est marrant parce que t'as mis tellement de temps. Avec beaucoup d'amour. Non, mais t'as mis tellement de temps que les chaudrons sont déjà remplis d'eau en fait. Oui, non, mais c'est normal. Sur les trois dernières semaines, j'ai eu le déménagement. Mais c'est pas fini. Oh, l'autre, il a des excuses quoi. La compris, il est très belle. Il y a un bunker aménagé. Hein. Par contre, t'as gardé le camion, justement, j'ai aménagé. Surtout quand t'avais fait un magnifique arbre au milieu, quoi. Pff. Tout le monde dans le trou d'ail pierre. Sinon, on peut passer par les villageois, non? Ah oui, là. C'est par où? Tout le monde dans le trou d'ail pierre. C'est bon, quoi. Posez sur les villageois. Poussez-vous. Mais poussez-vous. Poussez-vous. Ah, j'ai réussi. Je sais pas comment faire. On peut le faire, on peut le faire. Ah oui, c'est un trou ici, on ne le voit même pas. Attends, bon. Quel enfer. Je croyais qu'il y a un sol en verre ou autre chose, mais en fait, tu tombes. Merde. On peut tomber ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, sympa, ça. Attendez, bougez pas, je lance une soirée de disco. Ah. Ah, on dirait pas que c'est si profond que ça en fait, on se fait avoir. Ouais. C'est le trou d'ail pierre, il est profond et très sombre. Ah merde, noir et profond. Oui. Alors attendez, on va faire une soirée disco, qu'est-ce qu'on peut foutre ça. Il est sympa ce système de tri pour la salle des coffres. Hein. Ce qu'il dit pas en fait, c'est que toutes les personnes dans le trou vont mourir instantanément à cause d'un truc. Ouais, donc c'est du tri multi-item. C'est-à-dire, c'est des filtres où. Il y a plusieurs types d'items qui sont filtrés par coffre. C'est une amélioration du système de set blink qui avait été amélioré par Tengotech, qui a été amélioré par... Et merde, ils vont pas plus loin parce qu'il y a un problème de tic parce qu'on est trop nombreux. C'est con. Ils descendent. Ça arrive. Il faut que je corrige ça. Il faut que je corrige ça, mais c'est pas gênant. Mais qui c'est qui a cassé les échafauds pour la sortie? Mais qui est le con qui a cassé? Faut le faire. Voilà mon pas. Mais ils ont mis du verre. Faut pas passer au milieu, faut pas passer sur le beacon, faut passer à côté. Il y a tout le monde qui se crache. Oh, mais je vais retrouver les échafauds. Ah non, c'est pratique, hein. Bonne mort, hein. Tiens, il y a un bloc. Débouche le trou. C'est pratique, hein. Poussez-vous. Mais poussez-vous. C'est bon, j'en ai marre. Attendez, j'en ai.
Allez, ouais. What, on arrive même pas à ressortir. Ah, il a bouché le mien. Ils ont bouché, oui, il y a quelqu'un qui a bouché. Qui est le con qui a bouché? Au secours, quoi. Je suis en train de brûler là. Ah, ouais. Oh les enfants. Oh la vache. Descendez, descendez. Hop là. Je suis passé à travers. Attendez, attendez. Bon bah moi j'attends. J'attends. J'attends moi. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait un portail. 1, 2, 3, pioche HCP. Ah, cassez pas autour, cassez pas autour par contre. Et dans les deux, 1, 2, 3, pioche HCP. Je vais avoir la gerbe. J'ai gagné. On peut pas descendre. Ah, c'est bon. Et quelqu'un peut casser les échafauds en bas? Ouais. J'attendais qu'on me le demande là parce que c'était tentant. Attendez, attendez. C'est n'importe quoi. Bon bah j'ai mon petit fan. C'est bon, on a tout vu, on a tout vu, on peut repasser par là. Ouais, magnifique. Tchuss. Yes, GG. Allez. Tout petit. Tchuss. Non mais vous poussez pas. Tchuss. Allez, on va chez le Jimmy Boy. Mais non, j'ai un fait spécial. Bon. Ah. On va voir le trou d'Ika. Comment ça? Le trou d'Ika, il est décoré. Il est bouton. Mais il y a rien de décoré. Vous voyez, il est décoré son trou. Non, mais il est pas fini. Il y a de la lave par contre, c'est de la vraie lave en bas. C'est joli, mais si c'est pas fini, c'est joli. C'est une arène d'Alitra en bah, fait. C'est un bon début, ça montre que t'as un joli trou quoi. Ouais. C'est ça. Waouh. Wow. Mayuko. C'est une arène de combat, c'est vrai, ouais. On dirait un peu une arène de combat. Hein. Un soleil. Attends, chez vous. Une arène de combat, je sors. Sors de là. Je sors de là tout de suite. Il y a des gens qui visent les combattants. Mauvais délire. Ok, ok. Magnifique. Ouais. Voilà. Ok, ok. On peut continuer. Okay, merci, Ika, pour nous avoir montré ton trou. Bien, en tout cas. Bon, après, la base est en stand-by pour l'instant. Après, alors, juste, je propose. Ika, en fait, travaille pas ici, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah. Je propose pour les prochaines visites, pour le prochain World Tour, tout le monde fait un portail ultra large pour que tout le monde puisse se TP. Ouais. Les choix de ça, quand même. Moi, j'ai le portail le plus petit. Un bloc. Alors, on veut pas savoir la taille de ton portail, mais oui. Bah, on va voir les sudistes. Hein. Non, enfin, les nord. Ah non, attends, ça c'était non, les sudistes. Non, on va voir les nordistes. Là, on va vers le nord. Là. Les nordistes. Le nord. J'ai Artix. Bah, techniquement, on a Golden qui est au milieu des deux, mais qui est techniquement un nordiste. Il est un peu bizarre. Ça va, Oran, t'as pas trop de décalage horaire. Attendez. Moi, quand c'est pas droit, j'ai du mal. Bon, pas aller voir IBC, mais il y aura Monsieur Golden à aller voir parce que lui, il est prêt, il est sur un autre chemin à part. J'ai fait un autre chemin qui est après Bazon, donc on pourra passer après. T'en as fait. Ok, bah après Bazon, alors qu'on est à voir. Ça, c'est un grand portail. Ouais. Ça, c'est du portail, ah oui. Très pratique pour y faire passer des creepers d'ailleurs. Ah. Alors, je tiens à dire qu'il y a réellement 4 ou 5 creepers qui ont été passés au travers à différents moments et qui m'ont explosé la gueule. C'est pas sécurisé. C'est pas sécurisé, monsieur. Bah, entre temps, j'ai eu une entreprise de terraforming, puis une entreprise d'éclairage qui sont passées. Franchement, rien à dire. Ah ouais, l'éclairage, ils ont pas déconné, hein. Ah ouais, ils ont fait toute la zone. Ouais, ça bien, mais le terraforming encore moins, hein. Le terraforming est magnifique. Hein. On peut passer à moitié. Pourquoi pas. Il est presque aussi bien que celui de Daniel. Du coup, alors, dans les trucs caractéristiques de la base, il n'y a pas grand-chose de spécial pour l'instant, parce que je suis seul à travailler dessus et que j'ai pas fini. Il n'y a pas de salle des coffres encore, c'est une anarchie totale qui fait pleurer mes viewers à chaque fois. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Oh, ils sont habitués avec le reste du serveur. Alors, merci de ne pas faire des conneries avec les villageois, s'il vous plaît. J'y tiens, il y en a 200, ils sont privilégiés. 200 200 Je vois d'ailleurs, hein, je regarde de temps en temps la console du serveur et je vois qu'il y a des villageois qui meurent de dégâts de feu, souvent vers à peu près les mêmes coordonnées qu'ici. Ah non, alors dégâts de feu, non. Ou dégâts de je sais plus quoi. En tout cas, il se passe des choses. Il est mort tellement de fois qu'il s'est fait un cimetière, le Vartak. Ah non, mais attendez, je vais venir vous montrer. Ah oui, en effet. Qui fait ça? Donc attendez, je vais vous montrer. On peut rentrer dans sa tombe. Je vous invite à venir ici. Et à découvrir les coulisses de ma machine à mort. J'ai envie d'avancer moi en fait. Mais qui dit des blocs de magma? Moi je serais vous, je rentrerai pas dedans. Moi je rentrerai pas non plus dedans. Elle est désactivée, vous pouvez pas mourir dedans. Ouais, c'est ce que dirait quelqu'un qui essayerait que je rentre dedans.
Mais c'est en gros, c'est sympa. Si vous voulez, alors si vous voulez, je peux expliquer le fonctionnement, mais c'est vraiment le. Ah, c'est de pufferfish. En fait, j'utilise le pufferfish, ouais. Mais pourquoi il y a des têtes de Bartek de partout? Il y a plein de têtes. Attends, je vais en rajouter. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, du coup, il y a plein de. Bah, l'ascenseur a été fini entre temps, oui, pour la tour. Le haut de la tour qui n'avait pas été disponible lors du grand gala a été fini et décoré. Truc. Alors, si vous voulez, on peut aller dans la tour. On peut tenter l'ascenseur à 25 joueurs. Allez, allez. Moi, je dis, on tente. Hein. Il y a trop de machines à mort. Venez, venez, venez. C'est bizarre quand même. Alors, alors, allez, c'est parti. On va tous mourir. Quel est le poids maximum? Bah alors théoriquement, demandez. Qui a lancé? Quelqu'un qui a appuyé sur le bouton en avance. Eh, ça me rappelle le premier World Tour. J'aime beaucoup cette pièce, c'est minimaliste. J'aime bien. Magnifique. Bonjour. J'adore cette ça passe torche. Ça au oh là, il s'est écrasé lui. Ah, on a nos premiers employés, nos premiers stagiaires à première vue. Ouh. Oh, il s'est écrasé encore. Ça va, Bazon? On va aménager avec un jardin, mais on attend les arbres. Ah oui, on attend des arbres custom. Oh. Où est-ce qu'il est parti, lui? Elle n'est pas là ce soir, mais normalement, nous avons notre secrétaire, Madame Louzerou. Mais elle n'est pas là ce soir. Il en faut des employés pour laver tes vitres. Hein. On n'aurait pas dû faire cette horloge, je crois. C'est une mauvaise idée, cette horloge, Mayu. J'arrive. Il a été un Elle est incroyable, cette horloge. Regarde comme elle tremble dans tous les sens. Ouais. Je descends, je vais donner un fond vert. C'est n'importe quoi. Ah oui, il y a quoi. Le fond vert, bien sûr, à louer si jamais vous avez envie de réaliser une vidéo fond vert, bien sûr. Oh. C'est oui. Il est à le quel étage, le fond vert? Au milieu, c'est pourquoi troisième étage. Ok, allons, troisième étage. Ça marche pas. Ah oui, je le vois. Je vais prendre un raccourci. Alors, je vous déconseille d'utiliser avec les shaders, du coup, parce que forcément, ça délimite mal. Mais voilà, oh la vache! Tu utilises des items frames, non? Ah oui, c'est ça! C'est la magie! Oui, tu utilises des items frames, c'est mieux, ça donne un vrai fond vert comme ça. Je suis perdu, les gars, je sais où la sortie! Attendez, imaginez que nous sommes sur une plage. Ah! Magnifique! Ah! Incroyable! Ah, là, on est bien! Et maintenant, on est au milieu du Mordor. Ah, on boit des petits cocktails. Fait chaud, hein! Bon, je vous propose de passer à la prochaine base. Pourquoi le portail est éteint? Allez, let's go. Dès qu'il y a des trucs chez moi, les gens s'amusent à casser pour nos inconnus. J'accuse en général les mêmes personnes, mais... C'est qui? T'accuses qui général... C'est qui ceux qui s'amusent à faire des bits à l'aide d'obsidienne et de portails de nether ou de creeper. Ça, ça ressemble à quelque chose que fera Pierre. Je veux mettre le glowing. Portail, attendez au portail. Okay. Wow. C'est métal. Ouais, mais sur qui je le mets? C'est Magic. Chez Magic. Magic. D'accord. Oh, tu vas voir, Magic, c'est Magic, tu vas briller. Tu mets Ika aussi. Magic. Ah ouais. Ah, oh. 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 C'est un peu dangereux, mais j'aime bien. Il y a des quêtes. Vous avez fait des quêtes ou pas, les gars? Ouais, bientôt il y a des quêtes, ouais, t'inquiète. Des quéquettes? C'est l'outre. Oh là là! Oh là 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 là! Il manque des montagnes bizarres blanches là, je. Ouais, il manque un terraforming, c'est bizarre terraforming, ça! voilà. Mais il y a déjà un volcan, hein! C'est incroyable, hein! Je sais pas qui l'a fait, mais. Donc, voilà. Le volcan, il est magnifique, hein! Moi je dis, hein! Ouais, il est beau! Ah, c'est du beau volcan! On a commencé à enlever les montagnes derrière. C'est qui l'a fait le volcan? C'est monsieur Aurélien Sama. Alors voilà, du coup sur le projet maintenant je suis avec Ika qui m'aide beaucoup. Hein. N'est-ce pas Ika? Coucou. Tu veux pas parler. Coucou. Du coup on va y aller. Il est timide. La dernière fois on était rentré par ailleurs mais maintenant on peut rentrer par le volcan depuis peu. Ika est timide depuis que tout le monde est rentré dans son trou. C'est ça. Ah c'est beau là. Ou alors il s'en remet pas. C'est possible. Je suis sans. Le raid 40 là. Oh. Alors pour ceux qui ont la foi, vous pouvez descendre par les escaliers. Je n'ai pas la foi. C'est horrible. Moi je vais prendre l'escalier. Ah. Les escaliers c'est là. Le World Tour ça terminé je pense. C'est ça. Moi je saute. Descendre ici là. Ne les prenez pas. Ici. Quoi? Où ça? Allez.
Allez, les escaliers. Moi je saute. Sautez vite avant que quelqu'un enlève l'eau. Ouais, il faut monter. Ah, les escaliers durent 3 heures, c'est ça? C'est ça, bah. Terrible. Allez, voilà. C'est parti. Ouais, mais par ça contre, montre le travail. Aucune utilisation, s'il vous plaît, d'eau dans les la base, escaliers. Par on les voit pas. Wow. Dernier arrivé à repasser une poule mouillée. Ouais, il y a de la place là-dedans. Hein. Ouais, hein. Donc là, ça part sur 4 quartiers. Quoi. Il y a 3 quartiers. Donc là, c'est la salle des coffres, du coup. D'accord. Oh. Neuf. Sympa. Qui n'est pas encore opérationnel. On n'a pas encore mis. Pas aussi grosse que celle d'en roi, mais. Stylé. Avec un sol très dangereux, si tu jettes le moins de trucs au mauvais endroit, mais. C'est ça. Ah, si t'as passé à travers ouais, ça peut passer à travers, oui. Le joueur peut pas passer, ground. Mais. Donc, ça, c'est la dernière. Le stuff, salle il peut passer. Regarde, tu veux voir Garth. Attendez, on va essayer. Voilà. Je pense. Hein. Ah, oui, ça va. Ah, oui, ça passe, hein, ça passe. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça passe. Regardez, ça sert de ça poubelle en fait. Non, t'es sérieux là? T'es sérieux? Attends, je le récupère, j'en ai pas. Attends, niveau en fait. T'es sérieux? T'en as acheté combien là-dedans? Alors, de l'autre côté, on a le quartier des ingénieurs. Juste ah, là. C'est pour moi ça. Oh. Il y a que des petits ingénieurs chez nous. Ingénieur informaticien. Pour l'instant, on a un gros four auto et la ferme à basalte qui nous est très utile. Attention, ça pique. Attention, ça pique. C'est pas sécurisé, les gars. C'est dangereux. Le problème, c'est que si on met une sécurité ici, bah ça pète en fait, ça l'enlève à chaque fois. Donc. On a préféré laisser comme ça. Tu mets le petit bon. Comme ça, c'est bon. Ouais, bah oui, mais on voit pas, c'est ça. Et de l'autre côté, il y a le four, voilà, tout simplement. Un peu lente, hein, la ferme à basalte. Hein. Ouais, pour être plus rapide. Pourquoi une porte, là. Ouais, il en a fait une à 2 millions non, par heure. C'est hein. La porte des extensions, tu sais. What genre après, elle s'ouvre et il y a des nouveaux trucs ah, qui arrivent. Ah, il faut payer. C'est ça, faut oh, payer. Oh, ça triche ici. C'est un DLC. Ça triche. De toute façon, dès que vous voyez des murs comme ça, c'est des murs à DLC, hein, ça arrive plus ça tard. Ça triche oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ça triche ici. Des piquations ah, de tapis. Ah bah okay. Il y en a une autre en plus cachée derrière. Mais pourquoi des tapis blancs, tu fais quoi avec tout ça? Bah tu c'est ça sert de combustible en fait. Combustible pour le four. What? Bah oui. Tu te chauffes à la carpette. C'est ça. Tu chauffes à la carpette. En plus, c'est économique. C'est comme si t'avais un sol chauffant là. Technique, tu sais, ancestrale. Tu chauffes la carpette. Et on va aller de l'autre quartier. Fume les tapis. Le quartier royal. Oh. Tapis chauffant. Là, vous pouvez utiliser. À pas confondre avec le papy chauffant. Un peu long. Voilà. Tac. Non, moi je marche. Oh, c'est la salle qu'on avait déjà vue la dernière fois. Voilà. Et là, maintenant, là-bas, il y a la salle du trône. Bien sûr, ah, j'avais besoin d'aller aux toilettes, ça tombe bien. Des ah, les statues, est-ce qu'elles font côte-côte? Ah, je sais pas. Hein. Et c'est roi qui devrait être sur le trône. Non, c'est moi le roi ici. Non. Ah, oh, quel est un but de sa personne, moi. Quoi. Oh la vache, c'est classe. Les lustres voilà. Et tout, là. Attends, ça, ce truc-là, on peut le récupérer. Ça, c'est stylé, ah, franchement. J'éviterai. Touche-moi, c'est l'arcane. Ah ouais. Ah, ça, c'est pimp. Alors, j'adore. Ça claque. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça, c'est la salle des potions. Voilà. Très chouette. Petite salle. T'as un trou où si ça, tu tombes, t'es obligé d'utiliser les élytres. C'est ça. Faut pas tomber dedans. C'est pas mal. Hein. C'est très sécurisé comme base. J'aime. La salle des enchantements. Voilà. Ah, ouais, ça va pousser dans le trou, là. Mais non, ah, je suis bloqué. Long live the king. C'est la tarte. J'étais obligé. Yeah. Oh. Oh, oh, t'as mis des Ender Chests en dessous pour faire les particules. C'est ça, exactement. Oh. Yes. Nice. Tellement disco, oh, une petite cheminée. Faut pas aller dedans, par contre. Ouais. Oh. Et voilà, yes. On a fait le tour. Hein. Petit projet. Bah, quoi. Franchement, nice. C'est très, très beau. Hein. Oh, très classe. Du coup, on peut enchaîner aussi avec la zone de mini-jeu. Bah, je vais laisser les créateurs de jeux présenter leur truc, n'est-ce pas, Aurélien, d'abord là. Ah, bah moi, il y a le parcours, vous le connaissez, et sinon, j'ai rajouté deux nouveaux mini-jeux, et je vais faire une série de mini-jeux et faire un petit événement, un peu comme les Olympiques. Vous avez d'abord le... Comment il s'appelle déjà? Ça m'a tiré ça dessus. Ça m'a fait tomber. Ça m'a fait tomber. Vous avez deux personnes, ou même jusqu'à quatre personnes, donc deux personnes de chaque côté, qui tirent des flèches sur les boutons pour faire tomber les personnes en face. C'est plutôt fun.
C'est même plus rigolo à 4, je trouve, qu'à 1 contre 1. Yes. C'est un jeu gratuit, d'ailleurs, donc vous pouvez y jouer quand vous voulez ou autre chose. Hein. Si vous avez des conflits à régler, vous le faites comme ça. Et de l'autre côté, je vais combiner, vu qu'il y avait un petit château, j'ai rajouté une tour et vous avez un dé à coudre. Et il est entièrement fini, il est déjà fonctionnel, si on veut. Ah ouais. Oh bah ça sent la soirée event oui bientôt, là. Soirée event, oui. Ah ouais. Et la piscine est faite pour se remplir toute seule grâce aux escaliers haute technologie. Oh là là. En plus, c'est beau. Ouais. Et elle est un peu en forme de cœur. Ah. Ou de d'haricot, ça dépend comment vous le voyez. T'as un unifar. Ah mais Jimmy va pouvoir montrer un truc. Jimmy. Ah, Jimmy. C'est quoi la maison? Le musique est vide. Y'a quoi dedans? Y'a rien dedans. Non, rien, c'est encore tout dégueulasse. Ah, mais si, t'as fait le musée. T'as travaillé sur l'intérieur. Peut-être qu'on peut avoir dans le datapack de ML, il m'en manque 3, j'ai bientôt fini. Oh là là. Juste trop fort. Y'en a des têtes. Combien de têtes ça fait au total? 394, après plus de 400 si on compte les têtes secrètes, mais je sais pas si j'ai. Mais il y a un autre truc là-bas, là en bois, c'est quoi ça? Voilà. Ce sera un musée qui Magic qui découvre son. Alors après, c'est quoi le truc en bois là? qui m'a mis en feu? Alors le truc en bois, c'est un futur mini-jeu qui va consister à avoir une liste d'objets et être le premier à ramener la liste d'objets, et du coup, il n'y a pas plus de règles que ça. Okay. Du coup, si tu veux tuer ton partenaire avant qu'il le ramène et que le premier, tu peux. Ça va finir à ça alors. Si tu veux aussi voler la liste de ton partenaire, tu peux. En fait, oui, vous ramenez les trucs que tu as besoin pour construire. c'est un peu comme le jeu d'Aïe-Pierre, quoi. Hein. C'est pas fini, capitaine. Alors... Concours, ramenez le plus de quartz. Celui qui en ramène, il gagne un prix. Non, t'as pas organisé, toi, un truc identique, mais où on gagnait. Ah non, c'était pour creuser ton trou. Ouais, mais venez on gagne rien à ma place. Non, moi j'ai juste dit, vous venez creuser mon trou, j'offre un terraforming. Mais à tout le monde, il n'y avait pas de concours. Hein. Après, c'est toi, Auré. C'est moi. Bienvenue. Attends, vous êtes sur la place principale. Elle y était déjà la dernière fois, il me semble, mais il y a plus de guilds maintenant. Notamment, vous avez la guilde Edo avec la grosse tour, la guilde Tutu avec la grosse tour, la guilde Mayu avec la grosse tour. Notre guilde est spécialisée dans les apéros. Aussi, on fait des bichouilles. Et récemment, vous avez la guilde Roi avec une grosse tour. Où est-ce qu'on signe? Elle est juste là, si vous me regardez en surbrillance. Une magnifique guilde. Par là-bas. Wow. C'est beau. Si d'ailleurs vous êtes intéressé de faire une guilde, n'hésitez pas. Vous avez aussi... Alors, il faut encore progresser sur cette ville, elle va avancer plus parce qu'il y a beaucoup de builds à faire. Mais vous avez un chemin qui mène évidemment vers le méga trou, la méga faille qu'on a creusé tous ensemble. C'est triste, ça manque d'arbres, il y avait pourtant des arbres. Ouais, mais non, j'ai dû les enlever malheureusement, ils cachaient le paysage. Et du coup, là, c'est le quartier riche, c'est ça? Mince, non, ça, c'est le quartier pauvre. Ça manque d'or. C'est le quartier des gueux. Avant. Alors, faites très attention, des fois, au détour d'une rue, vous pouvez tomber sur un gueux tapant. Voilà. Un gueux tapant. Oui, parce que c'est le quartier des gueux. Pas mal. Oh là là. C'est une blague de Edo, voilà. Pas mal. J'aime pas l'humour. Alors, ne regardez pas à l'intérieur, c'est pas décoré. Hein. T'as dû te faire engueuler pour cette blague. Ah oui, je me fais engueuler surtout. Et le plus important à regarder, évidemment, c'est si vous me suivez, c'est l'énorme faille qu'on a creusée tous ensemble, qui sera la mine de Redstone. Dans le RP, en fait, c'est une ville qui a été établie sur un gisement de Redstone. Parce que nous sommes dans un monde médiéval Minecraft, donc la redstone est là. Et non, c'était pas là que tu l'avais mis ton drapeau. Comme dans Minecraft. Je cherche Yu, bordel. L'autre part. Et du coup, ils minent de la redstone pour faire des inventions en redstone parce que ça leur apporte masse. Quoi. J'ai une question, Aurélien. Ouais. Pourquoi la diorite? Alors, il y a de la diorite pour justifier le fait qu'il y a des bâtiments en diorite partout dans la ville. Donc, c'est comme s'il y avait une couche de diorite sous le sol, en fait, tout simplement. Ok. D'accord. Voilà. D'accord. C'est pour faire un peu plus beau aussi, c'est sympa, j'aime bien. Ensuite, si nous continuons, suivez le mec en surbrillance. Comment ça? Suivez le mec en surbrillance. Wow. Je vais vous demander de ne pas tirer la moindre flèche dans cet endroit parce que vous pourriez update un bloc et me foutre en l'air une ferme.
Et si vous le faites, bah, vous la reconstruisez. Non. Fallait pas le dire. Droit au but. Bienvenue au méga ferme de bois. Donc vous avez d'abord la première ferme à bois qui fait spruce, oak, birch, acacia. Donc tous les bois de 1 x 1, en gros. Même l'acacia, donc avec ses branches, ce qui est plutôt compliqué. C'est une ferme de Il Mango. Excellente ferme. Bravo Il Mango. Yes. Félicitations. Et du coup, forcément, comme c'est pas tout le bois, vous avez aussi un petit passage ici. J'ai pas encore fini la décoration, mais vous avez un petit passage ici. Ce sera une énorme grotte reliée ensemble, en gros. Ah, c'est chaud. Ça, c'est une ferme à Dark Oak. Elle marche plutôt bien. Dark Oak ? Oui, Dark Oak. En gros, le Dark Oak pousse et vous avez... Non, pas de la coke. Et vous avez 4 TNT qui tombent le long des 4 coins du Dark Oak et ça le pète. Ça marche plutôt bien. Et si vous continuez encore le long de la faille, vous avez la petite dernière... Oh, tiens, je montre l'affiché. Il y a meilleur, mais je voulais une ferme à bois du Nether simple et efficace. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Heureusement qu'on devait pas voir les fermes. Ah ben moi, ça fait partie de tout. Je suis encore sous les 10 minutes. Tout ça pour faire de la pub pour sa société. Non, j'ai dit de ne pas montrer les fermes à poulets, parce que ça, tout le monde les connaît. Et au silence, c'est à peu près tout, parce que comme j'ai passé pas mal de temps à gérer le bois et aussi à faire des mini-jeux... Moi, hein, pas comme certains. Clin d'œil. Moi, j'attends le terraforming. Plus les nombreux magasins que j'ai fait aussi. Voilà, c'est tout. Alors, en fait, moi, ce que je vais vous montrer, c'est... Alors, le chemin est pas fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a son énorme truc. Donc, c'est ce qu'on appelle un réacteur Mako, pour ceux qui connaissent Final Fantasy VII. C'est made in China, ça. Je ne crois pas. C'est un truc qui explose dès le début, hein, voilà, dans le jeu. Mais Nice, il va exploser. Je tiens juste à préciser, vous pouvez voler en Elytra, mais faites gaffe parce qu'il y a des vitres tout autour, et donc vous allez peut-être faire le moustique. Ah, oui, mais moi j'ai pas. Si vous n'avez pas les textures connectées, vous les voyez les vitres. Hein. Oui, voilà, si vous voulez, voilà. Et autre chose aussi, c'est entièrement spawn-proof sur 200 blocs normalement. Oh. Sur toute la Netherrack, vous avez des boutons de... Enfin, presque partout, j'ai quasiment fini. Mais presque. Pas. Ah ouais, les boutons de bois, ouais. Ouais. Damn. Donc il y a juste l'arrière qui n'est pas fait encore. Bah. Parce qu'il y aura une grande salle à l'intérieur, mais c'est pas fait. Pas mal, hein. Mais voilà, donc c'est la plus grande tour du serveur. C'est ça, ça va de la couche 30 à 30 jusqu'à 250... Ouais, mais la fumée, elle compte pas. Ah. Mais comment c'est techniquement en haut, c'est de la fumée, c'est pas de la tour. Ouais, c'est pas de la tour. C'est la première mort depuis un petit moment là, hein. Félicitations. Le fond, il est incroyable. Ça a été long. Il y a à peu près 65 000 blocs de glace. Damn, ça en fait du verre. Hein. Donc voilà, ça a été un gros travail. Hein. Ah bon? Oh, c'est un petit travail, hein, moi je dis. J'ai dû beaucoup creuser. Et voilà. Oh, c'est une affaire de quelques soirées, quoi. C'est bon, 3 heures. Oh, 5 heures, 100, et c'est bon. 200 heures, je dirais à peu près. Pour ça. Il a fallu beaucoup creuser. Et le problème, c'est que je suis dans un Basal Delta. Alps, il fait ça en un live. Donc, de 24 heures. Encore de l'exploitation. Non, Alps, il cligne des yeux et c'est fini. Bon, yes. Il y a les chevaux, hein, qui sont. Alors, ici, il y a pas trop de choses. Ah, t'es mort où au fait? Oui, l'extérieur n'a pas trop changé. Okay. Ouais. Merci. J'ai merci une beaucoup. Partie de mon stuff. Non, il y a juste un truc à changer quand même, c'est à l'intérieur. Encore un trou. Je me souviens. Ah, t'as pas encore fait le trou, trou. Pas encore. C'est pour ça qu'on passe encore par ce petit chemin-là. Par ton petit trou au lieu de passer par ton gros trou, ok. Voilà, on peut passer. Voilà, c'est bon, tout le monde y est. Il y a des petites fuites. Ah, toujours fidèle à la réputation de Trollycube, nous allons dans un gros trou. Les trous. Belle salle des coffres en tout cas. Pour un gros trou, c'est un gros trou. Aïe. Ah, j'aime. Tout le monde y est ? Ah non ! Des têtes quelque part. Où est-ce qu'elles sont ? Non, laisse tomber, tu pourras pas les trouver. Il les a planquées, il l'a dit. Tout le monde les cache maintenant, tu sais. Non, je veux ça. Non, c'est Jimmy qui business doit finir, is business. Donc voilà. Donc là, c'est la salle des coffres que j'ai faite. Nice. Entièrement automatisée. Avec une fine d'eau. Ouais, c'est normal. Surtout oui, ça coule. Mais. Comme je meurs souvent et que j'oublie à chaque fois pour revenir récupérer du stuff, bah ici, il y a l'eau, c'est pratique. Donc, mais bon, ça, je m'en doutais. Putain, mais il se sert, le con, c'est insupportable. Donc après, voilà, le modèle, c'est Tengotech, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Oui. Ah merde, par contre, là, c'est plein. Tengotech, c'est la version non améliorée que Hyper, en gros. Oui, c'est ça. Et par contre, après, derrière, j'ai mis un chunk Shulker Unloader, j'ai mis des silos avec une gestion globale des mines cartes.
Des minecarts, non, des... Shulker. Magnifique. Des shulker, et après derrière, il y a aussi... Par contre, il y a mon beacon qui va disparaître. La belle redstone, tout ça. J'aime bien la voilà, grange, moi. Il y a beaucoup de redstone, vous pouvez voir ici. Hein. Merde. Pour moi, c'est bon. Ah. C'était surtout le finisher. Magnifique. Hein. Ce sera encore plus beau quand il y aura le magnifique terraforming fait par Samatera. Je pense que d'ici deux semaines, c'est fini, mais... Un petit terra de combien de blocs ? 300 000 blocs, je sais plus. Alors. Au moins 300 000, ouais. Oh, ça va, ça va. À droite. C'est chez qui ? Par là, l'autre gauche. Ah, fail. Quelqu'un aurait mes bottes en Aetherite, s'il vous plaît. Par là, Goldon, c'est par là ta base, Gold. C'est Laser, il y a le portail de Laser. Oh oui. C'est le bien et le mal. C'est bon, il y a tout le monde, du coup. C'est un vaisseau spatial. Alors pour ceux qui ont des roquettes, vous pouvez monter directement sur l'île qui est au-dessus, et pour ceux qui n'ont pas de roquettes, vous pouvez passer, il y a des échafaudages éventuellement, c'est un peu long. J'ai plusieurs questions. Pourquoi j'ai pris des potions d'XP pour ceux qui ont besoin de... pour les élites. C'est ça que bouge. Ah bah ouais, je veux bien un petit peu, ouais. Enfin dès que j'arrive, mais je suis coincé dans le... Il n'arrivait pas à se décider entre deux thèmes, et du coup il s'est dit je vais faire les deux en même temps. Ouais, du coup tu vas tout reproduire à l'identique de chaque côté, quoi. C'est ça. C'est donc, ça. En gros... j'ai voulu me lancer dans un thème Nether puisque c'est la 1.16, donc la Nether Update. Je me suis dit c'est l'occasion rêvée pour tester de faire des builds un petit peu dark, un petit peu dans le thème sombre. Et je me suis dit que bah, du noir sur du noir, ça va pas être très beaucoup joli. Donc, je me suis dit tant qu'à faire, autant rajouter le thème qui est complètement opposé au Nether, c'est-à-dire donc l'Aether. Oh. Et du coup, je me suis dit Aether, Nether, il y a peut-être un truc à faire sur les dieux, du coup, parce que bah, le Nether, l'Aether, c'est un peu le truc avec des dieux. Oh. Et je me suis dit, bah, je vais prendre la Grèce antique comme style de build, parce que d'une part, le thème de la Grèce antique, je trouve que ça avait vachement des bâtiments qu'on pourrait trouver sur l'Aether. Ah, la Grèce antique qu'on peut mettre dans les friteuses. Pourquoi pas, mais. C'est humour. Je m'en vais. On en je m'en vais. Il y a eu un petit courant d'air là, je sais pas vous, mais. On a pu entendre la crêpe après. Je ne regrette rien. Très bien. Donc, du coup, vous avez très certainement remarqué qu'il y a un côté qui est Aether, l'autre côté qui est Nether, et que certains sont même déjà fusionnés. Donc, en fait, je suis parti du principe que le Nether et l'Aether, c'est deux trucs qui sont complètement opposés. Et je voulais donc vraiment miser sur ce point-là, la dualité, mais en même temps l'opposition. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de barre violette en plein milieu, parce que certains d'entre vous ont peut-être remarqué que ça symbolise un peu le portail du Nether, donc l'opposition entre deux mondes. Et d'un autre côté, c'est parce que en fait, j'ai un RP qui est par-dessus. Donc le RP, il est assez globalement simple, en gros. Il existe trois mondes qui sont l'Overworld, sur lequel on vit, nous les hommes. Il y a l'Aether, donc le paradis, et le Nether, donc l'enfer. Mais à cause d'une surpopulation d'âmes qui sont dans le Nether et dans l'Aether, les dieux qui sont responsables du coup de ces dimensions-là se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent une sorte d'immense salle d'attente et du coup l'Olympe, c'est un abonné d'ailleurs qui m'a proposé ce nom, donc c'est l'Oli comme Olycube et l'Olympe comme dans la mythologie l'Olympe. Grecque. Olympe. C'est ça, l'Olympe et l'Olympe ou l'Olympe, comme vous préférez. L'Olympe. Et mon dieu. Et en gros, une fois qu'une âme est réceptionnée ici, donc dans l'Olympe, elle est tout simplement jugée dans le Parthénon, qui est le bâtiment principal, qui est d'ailleurs le seul bâtiment qui sera composé à la fois du côté Nether et à la fois du côté Aether, donc du quartz et de la Blackstone, parce que c'est vraiment le côté opposé entre le blanc et le noir, et entre le lisse et le brut un peu. D'ailleurs, j'ai pas fini le bâtiment, vous m'excuserez, j'ai pas le temps de terminer. Et le Parthénon sert aussi de purgatoire, puisque en gros, je mettrai un peu comme le RP, je m'en suis un petit peu inspiré du RP qu'on a vu au début de la saison avec les pères d'Eitra et Aipierre, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un purgatoire, et je sélectionne les âmes bonnes ou mauvaises, et après je les indique si elles vont du coup dans l'enfer ou dans le Nether, dans l'enfer ou dans le Laser. Donc t'es Saint-Pierre, quoi. Que la moquette, toi, hein, dis donc. Les chats, ils vont tous ouais, parce que c'est pas un reproche, hein, mais on dirait moi quand j'essaie d'expliquer un dessin à un prof pour qu'il essaie de lui faire croire qu'il y a un sens derrière, alors que j'ai dessiné une bite. Justement, le RP, il faut toujours mettre par-dessus. Toujours. Ouais, non, mais ouais. Bah, on dirait vraiment de la... Bon, moi, le RP et a sinon, du sens. En hein. termes de protection contre les abrutis avec des seaux d'eau, tu fais comment? Ah. Mais moi, le RP a du sens, selon moi. Mais c'est vrai que si quelqu'un utilise un pseudo ici, t'es fichu. Hein. Tu oui, pleures. Bon, c'est pas grave, il y a le truc pour dupliquer, donc c'est pas grave. Et du coup, c'est à peu près tout. Ah, si, il y a quand même un truc. Je vous invite à venir en dessous de l'escalier. Il y a une toute petite échafaudage.
Oh oh. Alors Chouka, il va où? Paradis ou enfer? D'ailleurs, tu choisis Chouka, paradis ou enfer du coup. Vas-y, je vous laisse descendre parce que c'est certainement la partie qui va le plus vous intéresser. Parce que le serveur, serveur qui est des gens qui aiment les trous. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas creuser un trou, je vais créer un trou. Donc l'île qui est en fait là où il y a tout l'enfer, etc. Allô, l'île est entièrement vide dedans. Aurélien? Du coup, oui, voilà. Et créer un trou. Je sais pas, c'est trop grand. Je te vois pas. Putain, moi non plus. Oui, c'est grand. Du coup, je suis la seule personne à avoir c'est créé la cave un update. Trou, creusé un trou. Voilà, la cave update est là. J'explique. Ouais, vas-y, roi. Oui. Bon, vas-y. Alors, le dragon est le centre. Le dragon est le centre des tours. Si vous faites attention, vous pouvez faire un petit tour en élytra. En fait, elles sont montées en arc de cercle. Ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Oh, ah, oui. Ah, j'ai plus mes fusées, crotte. Crotte de bique. Attends, je vais t'en donner un. Il va y avoir une cathédrale ici, non? Oui. Je pense. Attends. Ça ressemble à une croix. Roi en surbrillance. Ah oui, ah oui. Roi en surbrillance, ouais. Maintenant des fusées. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ici, les tours qui sont là, il va y avoir un grand port ici dedans. Ah. D'ailleurs, bientôt, il y a un bateau qui devrait apparaître bientôt. Oh. Allô. Allô. Voilà, donc il va y avoir la cathédrale de la Sainte Tartiflette qui va être ici, les amis. Oh, trop bien. Voilà, on l'a designé, avec Alps. Oh. Je peux vous dire qu'elle va envoyer du steak. Wow. De la tartiflette. De la patate. Voilà. Ouais, bon, c'est pas une cathédrale de la Sainte Frite, mais ça va, ça va. Voilà. Alors, c'est acceptable. C'est acceptable. Sinon, vous pouvez alors faire le tour du château vite fait, parce que tout a été décoré autour du château. Oh, j'aime beaucoup le belvédère là. Oui, oh, bien sûr. Il y a des tables, des chaises, il y a un jardin à la française derrière avec un kiosque à musique et une base secrète qui a été cachée en dessous. Mais pas du tout. Un kiosque en musique. Voilà, on l'a pas vu, on va dire. Non, une base quoi? Quoi? Une base secrète? Pourquoi il y a des gens là-dessous? Qu'est-ce qui se passe? Dans les cuisines du roi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour les rares qui ne l'auraient pas vu, ah oui, c'est vrai, depuis le temps. Pierre, t'es dû faire un truc à prendre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je n'ai pas vu. Non. Un rendez-vous devant la tour carrée. De quoi, qu'est-ce qui se passe? Carré du château. Il y a une mini-base là-dessous. C'est faux. What the fuck? Et donc, alors, il y a des trucs en plus qui sont vrais, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on rentre vraiment dans une salle de billard. Dans le château, il y a vraiment une salle de billard ici. Donc, on a fait un gros billard. Un très gros billard. Dans le vrai château dont c'est inspiré, il y a vraiment une salle de billard dès l'entrée. Ouais, ouais, parce que c'est pas l'entrée principale ici, c'est une entrée de... La vraie entrée, elle est plus loin. C'est l'entrée des gentlemen. Bah, d'ailleurs, on va y aller, la vraie entrée. Donc ici, c'est vous pour avez des grosses boules, le billard, visiblement. Il y a une salle de lecture ici. Voilà. Classe. Salle de lecture à cet endroit-là. C'est qui a fait la déco? Là, c'est Mayuko qui a fait toute la déco ici. Yes. Oh, magnifique. Là, ah, magnifique. Après, toute cette partie-là, c'est pas l'escalier, terminé, c'est incroyable. Alors là, voilà, on a commencé à faire un gros escalier ici qui pourra mener dans les étages et en dessous, parce que la vraie entrée, techniquement, elle est en dessous, normalement. La rambarde qui coûte bien cher en bibliothèque aussi. Ils aiment bien lire en montant les escaliers. Attends, là, j'ai monté deux marches. Ouf. Attends, je vais lire un petit livre. C'est ça. Voilà, okay. Donc vous pouvez, quand vous êtes dans la salle de lecture, tourner tout de suite ici. Vous avez mon bureau. Qui est là. Oh. Bonjour, monsieur dame. Voilà. Bonjour, monsieur roi, j'aimerais parler de quelque chose. La zone pas trop, là. Avez-vous une minute pour parler de la Sainte Frite, notre sauveur à tous? Moi, je vais passer sous le bureau. J'ai dit qu'on voit plus au témoin de la Sainte Frite. Attends, j'arrive. Amen, Sainte Frite. Si vous avez un tout petit couloir avec, ben voilà, il a trouvé comment faire popo, voilà, cet endroit-là. Oh oui. Oh, le popo. Elles sont en or, j'espère. Non. Même le la salle de bal. Oh, c'est même pas en or. Ah ouais. Il nous a trompé. Ah, du gâteau. Oh là. Donc la salle de bal. Et le truc pour le papier toilette. Il y a du gâteau à la fin. Oh, du gâteau. On peut manger le gâteau. On peut manger le gâteau. Ah, le plafond, il est génial. Je mange le gâteau. C'est sympa. Du miel. Alors, j'ai mangé du gâteau. Ah oui, du miel. Là-haut, ouais, le plafond, je sais pas si vous voyez, mais il y a une bibliothèque. Ah oui.
Il y a une bibliothèque. Ah ouais. C'est pas la bibliothèque que veut détruire Mayuko. Ah ouais, on est en discussion. Là. Là, elle est mal placée apparemment. J'ai bien envie de la bouger de là. On va voir. Parce qu'elle gêne. Un beacon d'origine sur le côté du château. Par contre, c'est la bibliothèque des riches, quoi. Il faut y aller en élytra. Non, normalement, il y a un truc qui est prévu dans la tour du fond. Ouais. Il y a un grand escalier monumental qui est prévu dedans. Voilà. C'est... Donc, il reste encore beaucoup, beaucoup à faire, mais ça demande du temps. Yes. Et donc là, vous pouvez sortir du châtal, aller devant la grande tour carrée pour descendre. Ouais, c'est cher pour c'est la meilleure partie, ça. Le sol, ça fait bien en coraux comme ça. Là. C'est... Mmh. Ouais. Est-ce qu'elle était déjà présente à la au dernier World Tour, il me semble. Non. Non, il y a non, la salle des coffres qui n'était pas faite. La petite salle des coffres. Voilà, là vous pouvez descendre. Ah, il n'y a pas d'eau au four en fait. Ah, si. J'ai les shaders en fait, je ne le vois pas. Voilà, puis voilà la salle. Ah oui, quand même. Vous remarquerez qu'on ne voit même pas les coffres de l'autre côté. Tellement les grandes. On dirait la porte parisien. Le fameux portail. Le fameux portail. Incroyable. Dont monsieur Hypierre est jaloux. Et comme ça, on peut aller directement chez Oran, ceci. Ah, c'est vrai. Suivez le mec en surbrillance. C'est pas faux. Un peu dangereux, donc j'ai un peu amélioré. Ah, il est où, en ce moment? J'ai peut-être des citrouilles là-bas. Ah oui, c'est vrai. Je suis tombé. T'as des citrouilles chez toi, Oran? Alors, prenez... Oui, mais il faut... Ah oui, le casque, on le voit. C'est le portail. Attention. Est-ce que tu peux m'en... Bon, allez, moi je vous laisse aussi. Des bisous, bonne soirée. Bonne soirée, Mayu. Oui, il y avait des casques avant de passer le portail. Après, tu peux reprendre la shulker et leur donner. Sous, ah oui, le casque, ça fait un super machiné. Oh, incroyable. Oh, c'est trop bien. On est dans le futur. C'est trop bien, hein. On ressemble à Daft Punk. Oh, j'adore. Et ils sont où? J'ai pas compris. On a de l'oxygène avec ça, j'espère. Je le connais celui-là. Ouais. C'est ton père. Pas trop bien. C'est ton père. Avant qu'on aille dans ma base, regardez un petit peu par ici parce que j'ai eu deux. Enfin, j'ai eu une prank de Monsieur Vartak qui est le vaisseau qui est le plus proche. Il y a Zed qui est pas là ce soir. Alors, il y a quelques bruits dedans. L'autre vaisseau. Ouais. C'est bruyant, mais c'est pas mal. J'entends pas les bruits. Ah, j'entends pas. Excellent. Il fait par moments, j'ai l'impression. Classe. Ah, les vignes du Nether pour faire les boosters, c'est vrai, ça marche bien ça. Yes. Ouais, monsieur Oran, là, le croiseur. En même temps, je dis ça, mais je l'ai fait sur mon truc aussi en vrai. Je veux dire, j'ai fait sur mon parcours. Classe. Donc voilà, donc il y a le Vartek et puis le musique de la cantina. Ce magnifique Venator. Et c'est pas se parler Oran, il a une voix douce, on ne l'entend pas toujours. Le timing est un peu déréglé. Elle s'est fait un peu maltraiter. Je vous laisse redescendre là où on était. Comme ça, on va passer par les. C'est l'hyper vitesse. Par les tunnels. Moi, j'y suis Oran. Ah oui. Ah bah tiens, c'est bizarre ça. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui est dans le sas. Bonjour. Au revoir. Pourquoi le sas se ferme pas? Ça va dépressuriser l'intérieur, c'est dangereux. Non, pas de panique. En fait, il faut pas qu'on reste coincé sur la... Ça marche très bien quand on est tout seul, mais là on a un peu de monde. Il y a un peu de monde là en fait. Je m'en vais de là parce que je suis trop. Alors... Ouais, il faut que personne ne marche sur la plaque pression au milieu. Ah, en fait. Ah! Voilà. Qui s'est regardé? Allez, il manque 3 blocs. Je suis pour. Ah, aïe! Je voulais prendre un screenshot avec tout le monde. Je pense savoir. Quelqu'un peut tuer? Je pense qu'il y a eu un souci. Ouais, c'est bon, il est mort, reviens. Mais le sas, il donne sur l'extérieur, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est un sas de décontamination? C'est incroyable ici. Oh là, il y a un petit rover. Ah oui, le rover. Vraiment sur la lune. Ouais, j'adore. C'est d'ailleurs, si vous utilisez vos élytras pour sauter plus haut, vous êtes vraiment sur la lune. Oui. J'ai mis un... ouais. Oui. Oh là. Ça manque d'un... Ah. Ah oui, t'as mis le jump boost aussi pour donner l'inspiration. Je sais pas le tuer, hein, le... Moi, j'ai pas le jump boost, là. Pathétique. Ah, je l'ai plus, en fait. Il était là-bas. Ah ouais, il est là-bas, en fait. Tu devrais mettre un jump boost 2 permanent.
Ouais, qui a énervé un... on peut passer, on peut rentrer par ici. Ici, il y aura un ascenseur. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais on peut descendre tout en bas avec les Elytra. Je m'en occupe un jour, quand même. Yes. Ça change, en tout cas, comme base, c'est classe. C'est rare, les bases dans l'Inde. Hein. On est dans une zone où il y aura bah, des quartiers d'habitation, des petites usines, des petites choses, mais je n'ai pas encore fait. Là-bas. Donc, Oh. Nice. Il y a un trou ici. Wow. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est stylé. Ouais. Même. Wow. C'est même sympa que ce soit lent, tu vois. Mmh. On revient le truc. Désactivation du champ de force. Remettez vos casques. Dépressurisation. Inspiré de Battlestar Galactica. Donc en fait, sur le côté, il y a des petits chasseurs. Et en fait, l'idée, c'est qu'on les positionne sur ce genre de catapulte ici. Et en fait, ils sont expédiés très très vite dans les tunnels qui les expulsent dans l'espace très vite. Ah yes. Stylé, hein. Ouais, c'est comme dans Battlestar Galactica. Incroyable. Mm-hmm. Nice. Ça fait ça le coup de pioche en vrai. Bah merci parce que c'était magnifique pour le creuser. Et on pourrait prendre une photo de famille ici avec les casques, c'est plutôt joli en oui. plus. Oui. Yeah. Un casque en rame. Tout moi, sur Oran pour la photo. Moi, je suis perdu, j'arrive pas à vous rejoindre, les gars. T'es où, Zed? Bah, je ouais, je suis tout en haut, mais... Regardez, c'est sympa. Si vous avez les shaders BSL, okay. Ça rend super bien les murs d'eau, en fait. Ah, merci. Ça fait vraiment comme un champ de force. Vas-y, mets-toi, Oran, et on se met autour de toi. Ah, yes. Tu regardes par là? Allez. Merci. Tu regardes par où? Ne regarde pas où, par là, par où, voilà. Les petits devant. Hein. Ah, c'est marrant, on voit à travers les casques de citrouille quand on est en F5 et qu'on a les noms ah oui. des joueurs. Ça a moitié bugué, c'est bizarre. Photo de famille. Magnifique. Il nous reste du coup. Clint. Clint. Ouais. C'est l'arbre au-dessus du portail, le gros arbre. Ouais. C'est le petit portail, c'est le petit arbre. Ah bon, on m'a dit, il faudrait que tu fasses un gros arbre. Alors, j'ai fait un gros arbre et je me suis arrêté. Ça va. D'ailleurs, cet arbre est sponsorisé par Hollywood et ses 63 shulkers de Hawk. Exactement. Clairement, avec mon pack, il y a un stack de shulkers. Il manque tu oui, un stack de shulker, de bois. Ah, moi, avec mon pack, les feuilles, elles sont violettes. Bah, le même, ça va, tu files le schématique, c'est bon. Non, mais attendez, je vous. Oui. Alors, ça fera 15 blocs de diamants, s'il vous plaît. C'est un gros arbre, hein, en tout cas. Ouais. Oh, il est pas fini. Ouais. Oh, il est même pas fini, oui. Il manque ses feuilles encore. Si vous mettez avec un certain angle, vous voyez ce que ça donne avec les feuilles. On a une map avant après au niveau du portail. Ouf. Ah ça je veux derrière, voir. Vous avez une. Vous avez une petite maison. Il y a une petite maison là. Avec la map. Ah ouais. Et là vous avez les deux maps. Pff. Oh damn! C'est une île mushroom. Ah, c'est pas con d'avoir fait une map juste avant de faire tout. Enfin, à part la ferme à bois là. Ouais. Oh damn! On y a pensé que. L'arbre, il fait quand même un quart de l'île. Hein. Voilà. Totalement. Incroyable. Bah, on dirait. En quatre parties, vu qu'il y aura les quatre éléments, en soi, l'arbre recouvre à peu près toute la partie de terre. On dirait un virus qui se propage ou autre chose. Un peu. Ouais, c'est vrai. Carrément. Et donc plus tard, il y aura de la construction dans l'arbre et tout. Hein. Ah oui, il y a une ville dans l'arbre qui va être faite. Oh. Et du coup, le thème, c'est quoi? C'est elfique, ouais, c'est ça? Yes. Ouais, ça va être sur 4... Dans cette zone-là, ce sera même plus féerique, en fait. D'accord. Féerique. J'ai fait une petite maison pot de fer devant à l'autre sortie de la maison dans laquelle vous étiez, si vous voulez. J'ai pas encore fait la. Il y a une tête citrouille. Oh, les petits champs pifs avec des barrières de endstone là. Oh. C'est trop bien, hein. Eh oui. Pique les idées. Les pierres sont habitables. Hein. On peut faire des pièces. Merde. Nice. C'est des maisons de hobbits. Ah, et des roseaux. Ah, les roseaux, c'est super. Il y aura des maisons hobbits. Non, c'est des quenouilles. As-tu vu les quenouilles? T'as vu les quenouilles?
Oh, excellent. Je suis bon en jump. Excellent, excellent. Même là, je tombe. Excellent. Excellent, excellent. Qu'est-ce que t'en penses, Edo? Excellent. Excellent, excellent. Et toi, ML? Oui. Bon, là, c'est une petite maison, ça. C'est un petit trou, ça. Elle est en cours. Il n'y a que la façade qui a été faite pour moi. Ah. C'est comme les maisons de Hobbit dans le truc où ils ont tourné le Hobbit, où il y a des maisons, ouais, tu ouvres la porte, il n'y a rien. Exact. La maison, ouais, c'est un placard. C'est un placard, oui, basiquement. Tu y vas et tu te ranges dedans. Voilà, je vais me ranger dans ma maison. Faire ma champi. Ouais, on peut la montrer. Ah. Oh. Et du coup, ah oui, oh damn. Aïe. Aïe. Encore un trou. Aïe. Trou du cube. Eh oui. Vive les trous. C'est plutôt spawner les cubes par contre ici. Hein. C'est une tour en bas. C'est par où? Non, ça va, on est. Par ici. On est perdu. C'est surtout pas. Là, hein. Attention. Oh. Oh, c'est... Ça vient retirer le... Oh, celui enlève son chapeau. Oh, what? Et puis après, ça pousse tout. Et ça rase. Oh, c'est incroyable. C'est sérieux. Ça travaille de fou. Oh, c'est celle de Il Mango, là, Blast Chamber. C'est ça. Oh la vache, c'est trop bien. J'adore. On peut faire vraiment des trucs de fou avec depuis les 1000 blocs. Damn. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle devrait pas casser, là. C'est trop stylé. Et du coup, ça nous permet de farmer les blocs de champignons blancs à la main. Ah, c'est trop bien. Les champignons, c'est incroyable. Ils ont tué le champignon. Il le décapite. Hein? Ouais, tu les as tous là après. Ouais, en fait, t'as les marrons qui vont là-bas parce que j'en ai pas besoin, donc ça se casse à la TNT. Et les c'est marron ça. Ouais, surtout pour moi, les blancs, du coup, j'aurais besoin de. Trop bien. Moi, le marron. C'est fou. Elle est insane, la ferme. Franchement, elle est magnifique. Hein. Elle marche trop bien. Design avec ça prend le chapeau comme ça. Ouais, j'ai trouvé le design mais tellement cool. C'est exactement ce que je cherchais et du coup bah. Yep. Giga cool hein. Franchement. C'est génial. Super bien. Classe en tout cas hein, moi je dis. C'est juste là. Hop là. Un grand GG. Ouais. Bravo. Ouais. Yes. Merci. Merci merci. On devrait bientôt commencer une nouvelle zone je pense. C'est ça. Yes. La zone du vol. Deuxième arbre. Maintenant il nous reste un dernier truc à aller voir après ça. Mmh. C'est quoi le métro. Le métro. Ah oui, le métro. Mec, yes. Il est en mode c'est quoi? J'en sais rien, moi. Ton truc, quoi. C'était du vite fait, quoi. Ouais, petit projet, vite fait. Donc, voici le métro qui relie la zone. Fini dans l'eau, je n'ai même pas remarqué. Mini-jeu. Où est l'entrée? J'ai pas vu. Ah, le petit métro. Moi, je prends le bateau. De la tranquillité, c'est ça? C'est ça. T'en as pour 7 minutes. Bah, c'est parfait. Oh, bah, je monte avec Red. Allez. Quoique, j'ai mon propre bateau. Au revoir. Ah, non, je suis devant l'entrée si vous voulez venir. Vas-y, Ron. Bon. Avance, les chauffeurs! Je te bloque. Oh, là, là, mais c'est après, c'est pas fini par contre. Hein. J'aime pas trop ça. C'est pas terminé par contre. Bon, allez, allez. On avance. À mon bateau! Au bal masqué, oh ouais, oh ouais! Sérieux! Au bal! Reste un bateau, oh! Au bas, on masqué, oh ouais, oh ouais! Attendez, on va regarder après. Oh là là, il a mis 50 milliards de plans! Qui c'est qui a laissé Red passer devant, quoi? Merci pour le deuxième sub, je regarde juste après. Oh, tricheur! Je suis passé de manière légitime devant toi! Ah oh non, ça marche pas. Ah, putain, mais... ah ciao mec. Attends, ça marche. Ça bitch. Je regarde juste après. C'est horrible. Hyper vitesse, Oran. Enfin, quoi, j'ai essayé de conduire. Ah non. J'ai pas de bloc, moi. Qui a mis du gravier encore? C'est pas lui pour le quatrième, voire. J'ai pas de bloc, moi. Mais c'est l'anarchie cette merde. Vartak, on t'entend. Hein. Ah, c'est pas fini ici! Le virage! C'est pas fini! Oh, Edo! Edo! Viens, slime! Edo! Il y a du mal, mais c'est pas fini du tout! Hein. Aïe! Voilà! C'est dangereux! Du coup, on attend la gare en fait maintenant! Les gares! Mais c'est pas fini en fait! Aïe! C'est honteux! Ah non, c'est pas fini! Excuse-nous! Pathétique! Bon, bah, comme ça, on a tout vu! Nice! Parfait! Oh,
Du coup, il n'y a évidemment pas les bases de tout le monde. Hein. On le rappelle qu'on visite les bases des gens présents et que du coup, malheureusement, on ne peut pas voir celles de notamment Watan, qu'on a manqué deux fois. En tout cas, GG à tous pour les bases. Hein. Ouais, GG. J'ai pas des lanternes. Hein. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce World Tour. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Je pense que ça le mérite vu la longueur de cette vidéo et tout le travail derrière. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez des, genre des réactions ou des feedbacks ou autre chose. Ou si vous n'aimez pas cet épisode, ben, je ne sais pas ce que vous faites là à la fin. Mais vous pouvez laisser un pouce rouge, je suppose. Ou éventuellement vous abonner pour en voir plus sur les cubes. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.